Yep. C'est parti. Eh bien, salut à tous les crafteurs et crafteuses, c'est Starvay. On se retrouve aujourd'hui pour une saison 2 de X-Fight avec plein de monde. Salut tout le monde. Salut. Et oui, comme vous le voyez, on a un petit peu augmenté la quantité de joueurs sur cette saison 2. essentiellement, le principe de X-Fight, c'était de rassembler les communautés Xbox et PS3 et PS4 et bref, console, Minecraft console. Donc on a cherché parmi tous ceux que vous nous avez proposé à Mr Pixel, Fanzy, Cacao et Arion et moi-même que n'étions à la saison 1. Ça nous a fait plaisir parce que vous en avez proposé pas mal. Il y en a qui ont répondu non, il y en a qui ont répondu qu'ils pouvaient pas, il y en a qui ont répondu présent. On va faire un petit tour d'inventaire, on va commencer par Arion, le beau, le célèbre Arion. Comment oui, salut, ça va. Quelle plateforme toi principalement? Je te connais pas trop. Xbox PC. Xbox PC. On a ouais. Pato également, Pato. Bonsoir. Pato. Plateforme. Donc moi surtout Xbox One en ce moment. Et 3.6. Xbox One, donc Xbox 3.6, Xbox One. On a aussi de la One. Ou Verse. Ou VerkVZ. Werks. Plus connu sous le nom de. Ça va Cubix. Ouais, Cubix Play. Ouais, Cubix. Ouais. Sa chaîne Cubix Play. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Bien. Et quelle plateforme? PlayStation 3. PlayStation 3, oui, on a cherché parmi tout le monde, même ceux qu'on aimait pas. Bref. Comment vas-tu, Drasmus? Bonjour, ouais, alors bonjour à tous. Moi c'est Xbox 360 et One et j'espère tenir plus longtemps que Cacao la dernière fois. C'est pas dur. Du coup 360, il y aura plus de 360. Mais vous voyez déjà il y a de la One, la PS3, ça fait plaisir. Patisman. Bonjour. Bonjour monsieur le chevalier bleu. Chevalier bleu. Comment t'allez-vous? Moi, moi c'est 3.6 et PC, Wii U, ouais, tout ça. Ouais, PC on le compte pas, on est tous sur PC, ah, trop facile. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y en a qui ne font pas de PC, il y en a qui exceptionnellement sont venus sur PC. Oui, c'est la seule plateforme qui permet de nous rassembler tous et qui permet de rassembler également Desmeo. Comment vas-tu? Bah, ça va bien, toi. Ce n'est pas Neck2K, hein, même s'il a même pseudo. Il y en a là qui nous ont dit ah, Neck2K, le mec il est jamais disponible. Alors, désolé, les gars. Bon, comment vas-tu, Desmeo? Bien? Ouais, je vais bien, je vais bien. Plateforme principale? Alors, maintenant je viens de passer sur PS4, donc on va dire PS4. Ouais. Bon, t'étais quoi avant? 360? Non, j'étais PS3. Ah non, PS3, PS4. Oh, non, mais pour dire PS3, PS4. Ah voilà, non, mais c'est bien, ça prouve oh, la promotion. Gigi Mars, on va appeler Mars. Parce que c'est ouais, classe. Simple. Comment vas-tu? Très bien, toi. Ça va bien. Quelle plateforme, toi également? Principalement Xbox One. Xbox One. Et ça fait plaisir. Cacao, qu'on a plus besoin de présenter. Le... Salut, salut. La bête de la saison. La plateforme, toi? King of the King. Xbox 360, principalement. Creeper, d'accord. Pixel. Ouais. Ça va, Creeper. Quelle plateforme également? Ouais, bah Xbox 360. Xbox 360, Pixel. À pas confondre avec Mister Pixel. Ah, bah, c'est mon papa. Salut à tous. Toi, Mister Pixel, 360 hein, également. Exactement. Pas besoin de présenter une bête comme ça qui a fui le combat lâchement. Comment vas-tu? Moi, 3-6 et 1. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Xbox 360. Okay. Comment vas-tu? Xbox 360. Xbox 360, c'est un fan de la Xbox. Platform, ça lui, c'est le X à fond. On a ouais. Déjà fait le tour, mais on est quand même nombreux. On a plus que doublé la quantité. Et moi, voilà, bah moi, Xbox 360, mais ça m'a tanné le cul, je vous le dis direct. Donc, PC. Mais n'empêche que gros rebelle. L'échapper. Et mettre en valeur les petits youtubeurs Xbox qui tiennent le coup, contrairement à moi qui a pété mon câble. parce que voilà les gars, quand vous arriverez à 200 vidéos comme moi que sur Xbox, non, donc voilà, on va lancer la game, je vous le dis, ça va sûrement pas m'en lancer, je vous le dis, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de team, j'aimerais voir si le plugin fonctionne sans team, parce qu'on va faire des teams solo, voilà, des teams, si on a des teams, mais solo, nickel. la raison principale pour ceux qui rageraient, c'est déjà, entre guillemets, que tout le monde en fasse un jeu, aussi j'avais ça, j'aimerais que tout le monde en fasse un peu en solo, qu'on voyait un peu comment ça se passe, que ça fasse plus de pubs à chacun aussi, parce que c'est aussi le but de ça, c'est de faire connaître d'autres youtubeurs, et aussi parce que 12 ça faisait genre 6 équipes de 2, je trouvais pas forcément ça intéressant, ça faisait pas beaucoup d'équipes, je veux qu'il y ait du combat cette saison, il y en a pas eu assez la saison 1, on est tous d'accord, on veut se taper sur la gueule. Alors moi je me cache. Et si on fait saison 3, on essaiera d'être au moins 20 et faire des teams de 3, ce serait génial. Génial. Les teams, ça serait génial. Bref, je vais lancer, ça va pas marcher, donc il y aura une coupure au montage et la game se lancera quand même pour vous, mais pour nous, je pense que ça va planter. Donc vous êtes prêts, les cocos? Ouais, c'est parti, bonne chance, les amis. Bonne chance. Voilà, donc on se retrouve pour le début de ce X-Fight.
Donc ouais, on est sur PC donc, et moi j'ai pas beaucoup, quasiment pas du tout joué sur PC même. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc on va commencer doucement avec les bases. Je vais monter un peu le son. Je sais pas qui c'est qu'on entend là. Ah, moi j'entends quelqu'un aussi là. Qui c'est? Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Ah bah tiens, on est à côté. On est à côté, c'est pour ça. Salut, c'est Pato. Ah, bonjour! Je me disais, c'est bizarre, ça a dû bugger. Mais comment ça se fait qu'on est côte à côte comme ça? Eh ben, je sais pas, peut-être qu'on a été TP au même point de spawn, je sais pas du tout. Je vais quand même l'envoyer dans le chat, quoi ou non, pour... Ouais, bon, de toute façon, on va s'écarter, on partira chacun dans une direction, hein. Bah, de toute façon, on n'a pas le droit de se taper, donc au pire... Oui, on va faire. De toute façon, si je te pousse dans le trou qu'il y a là, c'est pas te taper, c'est pas. Donc voilà, donc début d'épisode avec Pato qui est Voilà. juste à côté. Je disais, j'entendais une voix aussi quand j'ai atterri dans le ciel, j'ai entendu yes. Bon, c'est toujours plus gai que de partir tout seul quand même, ça va. Ouais, c'est clair. Hop. C'est pas grave, on va faire quand Et même la notre petite base. vie. Ouais. On l'a compris dès les villages. Moi, ça va encore, je tourne bien là. Ok, c'est bon. Nos PVP, allez. Par contre, je galère avec les crafts parce que j'ai jamais joué sur PC, quasiment. Ah bah oui, c'est sûr que quand t'es habitué Xbox, que t'as tous les crafts qui se font C'est clair. seuls, faut les apprendre. Ah ouais, c'est bizarre, je suis à 2 barres là. Ah c'est chaud, je sais pas ce qui se passe. Bon, du coup, moi je vais m'éloigner doucement, comme ça on est tranquille. Ouais, petit à petit, on n'est pas pressé. De toute façon, on a un épisode tranquille. Voilà. Bon, allez, bonne chance à toi et à bientôt. Eh ben, bonne chance, écoute. Merci d'être apparu dans le début. Donc voilà, donc on est apparu à côté de Mister Pixel du coup. Petit bug, mais bon, c'est pas grave. Oh, il y a un village là-bas, on va aller directement dans le village. J'ai réussi à prendre un peu de charbon avant de partir là. Du coup, on va aller au village avant qu'ils viennent de ce côté, si jamais. Donc du coup, faire gaffe là, je dois pas courir parce que sur Xbox, il n'y a pas de hardcore ni rien. Bon, moi je joue sans la résine des cœurs, mais j'ai tout le temps de la bouffe. Là, j'en ai pas pour l'instant. Donc on va faire un petit tour dans le village. Voir un peu ce qui s'organise. On a buté un lapin. Je sais pas si il est petit, c'est un petit ou un adulte ou un bébé. Bon, bref, il s'est barré. C'est pas grave. Alors, je vais voir s'il n'y a pas du coup la forgeonnerie, on dit, ouais. Avec un coffre. La forge tout court, en fait. Ouais. Ah. Ça peut être sympathique. Pardon, bonsoir. Et voilà, ça, c'est bien ça. Bim. Ça commence bien. Oh punaise, de l'obsidienne en plus. Nickel, ça pour la table de craft. Ça va être bon. Ok, donc pour refermer, c'est ça. Ah, donc je vais équiper direct mes petites bottes. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc on va continuer à avancer tranquille. Je sais pas s'il y a d'autres coffres sur PC ici. Oh punaise, ah non. Si, je vais récupérer les livres au cas où. Ça me fera une ou deux bibliothèques pour. Si jamais. Quand j'aurai ma petite table d'enchantement, ça peut toujours servir. Et je vais prendre le blé qu'il y a dehors aussi, et les carottes et tout. Bon, j'en ai laissé, mais c'est pas grave, ça en laisse pour les autres, on va dire. Ok, donc on va prendre
Les carottes. Par contre, je vais rien laisser. Quand c'est si quelqu'un arrive, il n'y aura plus rien. Une belle petite grotte avec du fer et tout là, mais les grottes ça fait peur. Pas. Ah, allô? J'ai entendu quelqu'un. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas loin de nous. Ah, j'aperçois quelqu'un. Ah, c'est ouais, monsieur Yggdrasil. Non, mais c'est mon blé, s'il te plaît. Ah, bah c'est pas grave, moi j'ai pris le coffre. Ah, c'est pas grave. Oh putain, la vache, t'as vu là? Ouais, sympa la grotte. Ouais. Bah, tu sais ouais. Quoi, j'ai spawné à côté de Mister Pixel déjà avant. Et la main, je te croise. Ah, ouais, bah c'est bien, tu vois du monde au moins. Ouais. Allez, belle botte, hein, sautez en passant. Allez, je te laisse. Salut, bonne chance à toi. Ouais, t'as bon, bah voilà, encore une croisade. Donc, moi j'étais en train de tout dégommer pour rien laisser. Bon, de toute façon, le blé, ça, ils peuvent en replanter, mais les carottes et tout, j'ai tout enlevé. Une belle petite grotte là, mais je sais pas si je vais descendre. Je vais voir, j'ai fait le tour des maisons, je crois pas qu'il y en ait d'autres avec des coffres du coup. Parce que les villages, je connais pas non plus trop. Par contre, apparemment, on a tous spawné bien collé. Ça fait déjà le deuxième que je croise. Ouais non, je vais laisser les bibliothèques, c'est bon, on va pas tout prendre. Par contre, je vais prendre les torches. Hop. Je vais laisser les villageois dans le noir, c'est pas grave, de toute façon, il y a Eternal Day, donc ils sont tranquilles. Donc voilà, donc on va commencer. Est-ce qu'il y a encore des torches? Non. Par contre, du coup, ouais, niveau bouffe, là, je suis bien. Mais du coup, attendez, je vais prendre mes torches, alors... J'ai quand même vite fait aller chercher le fer qui est là en bas. Fermer l'inventaire, ok. Je vais vite fait descendre. Parce que il y a pas mal de. Là je vais pas descendre, je vais perdre des cœurs. On va faire le tour. Et je vais descendre aller chercher donc du coup ces petites. Ce petit fer là en bas et le charbon que j'ai croisé. Je descends doucement parce que. Ok. Par contre, je vais regarder, je crois que le son du jeu il est carrément pas fort. Je sais pas si c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Bon, le son des monstres et tout, il est fort de toute façon, donc... ça ira. Hop, on va prendre le fer. Direct. En plus, ouais, y a déjà un four. Je vais me faire... Ah, j'entends une araignée par contre. Je vais prendre le charbon. Je vais pas rester longtemps par contre. Du coup, j'ai pas mal de bouffe. Du coup, je vais aller prendre beaucoup de bois et je vais commencer à partir miner plus en profondeur. Ça m'embête de laisser le fer là-haut. Quand même vite fait. Jeter un oeil. Je vais vite fait prendre celui-là. Ok, donc c'est bon, est-ce que je vais prendre... Je reprends quand même le charbon, parce que ça je vais avoir besoin de torches aussi. Donc pour l'instant c'est un bon petit début là, j'ai envie de dire. On va pas se plaindre. Heureusement qu'on a le PVP est pas activé direct, parce que... J'aurais été un peu en galère avec Mister Pixel et ensuite Yggdrasil. Bon, de toute façon on avait rien pour se défendre, mais... à coup de poing, il y aurait quand même un des deux qui serait mort au bout du compte. Donc je vais prendre aussi de la pierre quand même pour me faire un four après si jamais. Et du coup je vais en prendre aussi pour monter là-haut, vite fait chercher le fer, j'ai quand même envie de le prendre. Déjà 15 fer. C'est un bon petit début, on va se mettre là. Hop. Hop, 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 hop. Pas l'habitude des touches clavier souris. Merde, ben voilà. Bon ben, on va le prendre comme ça, c'est pas grave. Je récupère mes pierres. Du coup, la petite pioche en fer et tout là, c'est nickel ça avant de commencer déjà.
Voilà, donc je vais retourner vite fait dans le village cuire mon fer. Et ensuite, je vais. Là, je peux courir un peu, j'ai des carottes. Hein, donc là, il y avait une petite forge. Bonsoir. Bon, j'ai. Alors, on va prendre du coup le fer. Je vais pas tout mettre, je vais en garder un petit peu. Comment on fait? Voilà. En gros, si je veux faire un saut ou quelque chose. Voilà, on va faire cuire ça. Et en attendant, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vite fait poser mon atelier. Hop, tac. On va faire hop. Merde, j'ai plus assez de place ici. Hop, hop, hop. Une petite hache. Hop, ça pour fermer. Et je vais prendre le bois brut qui est ici du coup. Hein. C'est du bois quand même, même les planches, hein, je pourrais les prendre. De quoi? De quoi? De quoi? Ah, hein, ah, hein, oui. Allô? Ah, bonjour. Et tu, ça fait le troisième que je croise. Hein. On est trois. Ouais, bah, tu parles. Ah ben re. Benji, tu fonces. Salut, comment ça va? Repato, ça va, ça va. Franzi. Oh, j'ai bon, déjà allez, tout je pris. Hein. Je voulais ça plus. Hein. Le coffre, tout. Hein. Parce que je voulais venir voir s'il y avait des trucs. Non, mais j'ai bon, pas volé. Déjà plus rien. J'ai pas volé ce qu'il y a dans son four. Je vais juste prendre celui de dessus. Vas-y, fais-toi plaisir. Je prends non. Juste le four du dessus. T'inquiète pas, je te laisse. Je vais m'écarter. Hein. Dans le coffre, il y avait pas grand-chose de toute façon. De toute façon, tu me le dirais pas. Bah oui, de toute façon, oui. Bon, on va essayer de s'écarter un peu. Ouais. Bah, du coup, on en croise du monde ici. Il y a foule, hein, ouais, apparemment. On en croise un monde. C'est un village assez prisé. Bon, je vais laisser cuire ça. J'espère que, bon, s'il y a quelqu'un qui vient, je vais le croiser de toute façon. Je vais prendre le bois qui est ici. Et ensuite, on va partir miner du coup. Histoire de gagner de l'XP et de se stuffer convenablement. Donc, oui, de toute façon, on n'a pas le droit de se fight au premier épisode. Hein, donc. C'est pour ça qu'il faut commencer à se barrer, parce que du coup là, dans cette minute, il y a le deuxième épisode, et là, ça sera déjà un peu, ça sera plus la même histoire. Ouais, j'entends quelqu'un? Ah bah non, c'est... Je fais les champs, je fais les vas-y, champs. Vas-y, vas-y. Moi j'ai déjà pris aussi. Donc du coup, niveau bouffe, ça va, je suis bien. On va partir. Allez, je m'en vais, rassure-toi, je m'en vais. Je m'en vais loin, loin, loin. Allez, c'est parti, on va se faire une petite épée avant de partir. Bon, il y a une mine ici. Je vais récupérer le four aussi, tiens. Tu déjà. Ah, ok, la génération un peu hardcore quand même. Ouais, qui c'est que j'entends là? Mais attends, il y a un atelier dans une des maisons là. On va se faire ça ici. Alors, il me faut du bois. Du bois, il est où mon bois? Là. On va en faire un peu plus. Tant qu'il y en a, on va pas se plaindre. Je sais pas comment on fait pour tout récupérer en une fois. C'est pas grave. Hop. On va déjà se faire ça. Une petite pioche, une petite épée. Au cas où. Et voilà, ça c'est bon. Hop. Voilà, donc maintenant on va partir, on va partir. Je sais pas qui j'entendais là, c'était encore quelqu'un que j'ai déjà croisé ou pas. Bon, c'est pas grave, le champ a été visité. Enfin, tout a été visité. Je vais laisser le reste. C'est quoi ça? J'en avais pas, ça tombe bien. Voilà, donc ça c'est pris, on va se barrer par là-bas. Je sais pas si quelqu'un est allé là-bas. Donc on va partir, comme j'ai dit tout à l'heure. On va descendre.
toute façon, je vais m'éloigner donc il va pas y avoir de soucis. Hop, on va faire tac, tac, et voilà. Au pire, même si j'entends quelqu'un, de toute façon, on me verra pas. Donc, j'ai déjà tout pour miner, tout ce qu'il faut. Hein. J'ai des torches, j'ai du charbon, j'ai du fer, j'ai une pioche en fer. Ah, ça, j'aime pas par contre. On va manger déjà. Si je change, ça va pas aller. On va se refaire des petites torches. Je sais qu'il y a une touche pour tout récupérer en une fois, mais je sais plus, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va poser ça là. Ah, j'entends quelqu'un. Allô? Alors, j'espère que je vais pas merder. Ok, ça c'est bon. Bon, je vais faire ça du coup. Le temps que je ramasse un peu déjà les ressources qui est ici. Comme ça, il y a là, les personnes qui peuvent passer. Voilà, comme ça je peux ramasser le charbon et tout avant de repartir. Un petit coup de stress quand même contre le creeper là, même si voilà, c'était que un creeper. Mais... on va pas se mentir, un creeper, tout le monde a vu la saison avec Cacaorum. Petite dédicace pour lui en passant. Comme ça va me faire pas mal de torches. En plus, c'est un bon gros filon. Surtout que je surveille autour de moi parce que j'ai pas envie de me faire exploser. J'ai tout fermé, mais on sait jamais. Ça peut. Voilà, nickel. Ça, bah, magnifique. Que demander de plus, sérieux? Je galère un peu avec les touches, mais pour l'instant ça va, je m'en sors bien. Là où j'ai peur, c'est s'il y a du fight. De toute façon, il y en aura. Mais au niveau des touches et tout, dans le stress, je pense que ça peut partir un peu n'importe comment. Au niveau du charbon, je suis bien. En plus, ça me fait de l'XP, ça c'est nickel. J'ai déjà l'obsidienne pour la table d'enchantement. Eh non, il y en avait combien d'obsidienne? 5? Ouais, 5. Il en faut 4 du coup, si on aurait eu 10, j'aurais gardé pour... non, même pas le portail, ça vaut pas la peine. Mais bon, nickel, ça me suffit aussi. Ok, donc ça c'est bon. On va ressortir doucement. Casser ça. Pas ma torche. Ah, donc de toute façon, il n'y avait pas d'autre entrée, il n'y avait rien ici. Là, c'est de là où je suis arrivé. Ah, donc on va repartir par là, je vais refermer juste... je vais récupérer mes torches. Du coup, bon, celle-là, là-bas, elle est trop loin. Merde, bon tant pis. Le mec qui a tellement de charbon qu'il a la flemme de ramasser toutes les torches. Donc je vais juste refermer ici. Parce que moi je vais repartir creuser vers en bas donc. Voilà. Donc du coup on va continuer à miner donc vers en bas. On va redescendre par là. Donc pour voir la couche où je suis. Je suis à 55, ok. Voilà. J'avais pas prévu ça. Mais si ça descend en fait c'est bien. Parce que du coup, j'use moins la pioche. Ouais, donc on va descendre par là. Hop. Ouais, là j'ai gagné du coup 4 blocs. C'est mieux que rien. Ouais, fin de l'épisode bientôt. On va continuer à miner. Et là, vu le mode de jeu et tout, vaut mieux poser beaucoup de torches parce que on sait pas ce qui peut arriver. Vaut mieux être sûr qu'il y a vraiment aucun mob qui puisse apparaître. Donc attendez, je vais vite fait pas tout de suite aller là, ça va être la fin. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour le prochain épisode.